Cournet et Barthélemy sont deux personnages des Misérables qui ont vraiment existé, contrairement à la plupart des autres personnages des Misérables. Et ils sont évoqués dans un chapitre qui est au tout début de la cinquième partie des Misérables. C'est important parce que c'est le moment où Hugo se remet à écrire Les Misérables. Avant, ça s'appelait Les Misères. Il a écrit le début jusqu'en 1848 et puis il s'est interrompu pendant 13 ans. Et il recommence à écrire ce livre qui dorénavant s'appelle Les Misérables, alors qu'il est à Guernesey, donc dans la maison où il va rester en exil pendant très longtemps. Et donc dans ce chapitre où il reprend son roman, il fait une digression sur les barricades des journées insurrectionnelles de juin 1848, et sur les deux plus grandes barricades, dont l'une était dirigée par un jeune ouvrier, pas les sinistres, toujours selon Hugo, un jeune ouvrier blanquiste, qui s'appelle Emmanuel Barthélemy, et l'autre, au contraire, par un personnage un peu truculent, un peu colosse et tout ça, qui est un ancien marin, un ancien officier de marine, qui s'appelle Frédéric Cournet. Voilà, c'est ainsi qu'ils apparaissent dans Les Misérables. Hugo dit très peu de choses il parle beaucoup des barricades, etc., et des journées de juin 48, mais il parle assez peu de ces deux personnages-là. Mais il en parle de façon qui est extrêmement surprenante, intrigante, moi qui en tout cas m'a aussitôt éveillé ma curiosité. Il dit voilà qu'ils étaient donc les deux chefs de ces barricades, et puis qu'il dit la phrase exacte, c'est « plus tard, chose fatale, à Londres, proscrits tous deux, l'un tu as l'autre. » Je ne dirais pas qui tu as l'autre parce que je ne veux pas divulgâcher. Voilà. Bien, en tout cas, donc, et puis celui qui n'est pas tué dans ce duel finit pendu. Voilà ce que dit Hugo. Bon, alors évidemment, l'idée de ces deux révolutionnaires qui étaient du même côté dans ces journées insurrectionnelles, mais qui cependant qui se retrouvent à Londres, parce qu'à cause du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ils sont proscrits, comme Hugo, ils se retrouvent à Londres, ils se haïssent apparemment, mais pourquoi, il ne le dit pas, au point de se battre en duel, au point que l'un tue l'autre, et donc, le survivant est pendu. On ne sait pas pourquoi non plus. Donc ça m'a paru extraordinairement, quand j'ai lu ça, extraordinairement, romanesque, enfin possiblement romanesque, et ça a éveillé ma curiosité. J'ai eu envie de savoir, d'abord, si ces personnages avaient vraiment existé, mais ça j'ai tout de suite vu, et puis qu'est-ce qui s'était passé, quoi, qu'est-ce que c'était que leur histoire. Et au fur et à mesure que je découvrais leur histoire, dans des documents, dans des journaux de l'époque, etc., je m'apercevais qu'elle était encore bien plus romanesque que je ne l'avais imaginé au premier abord. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés pour mes recherches? Moins, à vrai dire, que je ne l'avais imaginé. J'aurais peut-être intérêt à dire que ça a été effroyablement difficile, mais pas tant que ça. Je dois dire à cause d'Internet, à cause de c'est-à-dire que, alors, je me suis procuré quand même pas mal de souvenirs de révolutionnaires de l'époque. Bon, mais même ceux-là, quelquefois, je les ai eus en papier, mais bien souvent, c'était sur Gallica, enfin, sur le site de la BNF. Et puis, sinon, j'ai consulté via Internet, via la presse de tous les journaux de l'époque, les journaux français, sur le site donc de la BNF, qui s'appelle... en anglais, Retro News, comme ça, et surtout sur le site de la British Library, puisque l'essentiel de l'histoire, enfin tout le côté le plus dramatique de l'histoire se passe à Londres, donc j'ai consulté tous les journaux, vraiment tous les, il y en a des, c'est inouï le nombre de quotidiens qu'il y avait à l'époque, donc tous les journaux anglais de l'époque sur le site qui s'appelle British Newspaper Archive. Mais, donc ça a été un travail long, mais pas si compliqué que cela, voilà. Tout m'a surpris dans cette histoire. Par exemple, Barthélemy, le jeune ouvrier, là, quand il est arrêté après les barricades, c'est pas sa première rencontre avec la justice. Il a, à l'âge de 17 ans, il a tiré sur un sergent de ville à Paris et il a été condamné au bagne. Et donc, ça m'a obligé à faire une longue exploration du bagne de Brest.
c'est pas le, enfin, dans Les Misérables, il y a le bagne de Toulon, parce que Jean Valjean va au bagne de Toulon. Lui, il est condamné au bagne de Brest. Bon, donc j'ai découvert ce que c'était que le bagne de Brest. Mais ce qui, disons qu'une des choses qui m'a intéressé, c'est que ce sont deux types qu'on rencontre souvent dans les grands mouvements populaires, quoi, et dans les grandes batailles populaires. C'est-à-dire l'un qui est poussé par la nécessité, par la nécessité sociale, qui est ce jeune ouvrier. Bon, et l'autre, l'ex-officier de marine, non, c'est pas un pauvre, c'est pas un misérable. Bon, mais l'autre, c'est un aventurier, quoi. Bon, un aventurier républicain, un aventurier radical, etc. Mais c'est quand même plutôt le goût de l'aventure, sans doute, qu'il jette dans ces histoires. Et ça m'a fait penser, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec un livre que j'avais lu autrefois, que j'ai relu, qui s'appelle Le portrait de l'aventurier de Roger Stéphane, et dont Sartre a fait la préface. Et Sartre, justement, distingue bien ces deux types-là qui se rencontrent dans les insurrections, l'aventurier et le militant, quoi. Bon, voilà. Alors, ceci m'a intéressé, parce que même ça référait un peu, éventuellement, à ma propre histoire, enfin, à ma jeunesse, etc.